C'est parce que vous avez perdu. Et malgré toute la sympathie que j'ai pour vous. J'en ai assez, je t'aurais prévenu, méfie-toi. J'ai vu une grosse limace qui marchait dans le pré. J'ai sali ma belle godasse en l'écrasant du pied. Divisé pour régner. Deux mines se mesurent l'une à l'autre, les deux lui appartiennent. Quels que soient les perdants, c'est lui qui gagne. Monsieur Gawain est un homme très séduisant. On ne se crève pas quand on n'a que des sacs d'argent à porter. Moi, je crois que c'est une corvée assez agréable. S'il a réussi, vous pouvez en faire autant. Lui aussi est irlandais. On est différents tout de même. Lui est protestant. Eh bien, il a réussi en employant la cervelle que Dieu lui a donnée. Chacun de nous devrait réussir tout aussi bien. En tout cas, moi j'ai bien l'intention. Allez, évacuez le terrain. C'est terminé, rentrez chez vous. Dégagez. Allez, dégagez. Rentrez chez vous. Allez, évacuez le terrain. Avancez là-bas. Allez. Tom, hein? Tu es blessé, Tom? Hein? Oh. Il t'a blessé avec son revolver? Non. Cet enfant, putain, je lui ferai la peau. Tu ne feras la peau à personne, espèce d'ivrogne. Provoquer une bagarre quand la police est partout présente, ils n'attendent qu'un geste pour déclencher la répression. Et toi, tu es là-bas. Les fusils qu'il porte ne sont pas chargés à blanc. Il a essayé de me descendre. Je regrette qu'il t'ait manqué. Elle est tordue. Elle est moins dure qu'une tête de limace. Et cette brute de flicard. Tu regrettes que je sois pas mort sous ses coups? Son tour viendra. Tiens, le voilà, regarde. Libre comme l'air. Ne l'employons pas à leurs armes. Tu n'as qu'à moi à dire et je l'assomme, ce salopard. Je lui ferai le crâne aussi mou que le derrière. Non. Pas toi. C'est du plaqué. Ça n'a pas dû coûter très cher.